Coucou mes petits loulous. J'espère que tout va bien chez vous. Oh, c'est beau ce que je dis. Regardez. Venez vous regarder. Oh, comme il est beau le caddie de Barbie pour aller maintenant faire les brocantes. Regardez. Et en plus, gentleman farmer, excuse du peu. Eh oui, car je suis allée chez nous. D'ailleurs, il faut que je... Ah oui. Bon. 14,99, je perds ma roue. Arrête ton char, Ménure, tu perds tes roues. Donc ça, vous voyez, c'est un... Comment? Ah, il fait ça plutôt... Ah non, j'allais dire, il fait ça qu'il n'y a pas le rabat. Si, si, il y a le rabat. Voilà. C'est pour aller en brocante parce que je trouvais avec mon chéri que c'était pas du tout pratique nos sacs shopping pour la brocante. Au bout d'un moment, c'est hyper lourd. Donc, attends. T'es un petit peu... Voilà, c'est... Ah là! Ah là! Ah là 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 là! Les vidéos de bras, il n'y a rien qui va. Ah ouais, non, mais je serai pas grande youtubeuse demain, je t'assure, hein, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Hein. C'est mal filmé, c'est mal cadré, il n'y a rien qui va. Et en plus, j'ai mal au bras. Donc ça, pour faire les brocantes, le caddie qui roule, c'est nickel. Je t'ai dit que j'étais allée chez Noz. Ouais. Avec mon magnifique sac. Oh, je l'adore celui-ci, mais trop. Je l'avais eu chez Too Faced, là, à Londres. Alors, chez Noz, je me suis repris un petit... Alors, c'est un snood, hein, vous savez, c'est les... Comment? Les petites écharpes, là, les petits... Oh, bah voilà, mais moi, quand je tourne, j'oublie toujours mes mots. 1,75, déjà, je vais te dire le prix. Déjà, ça peut être pas mal. C'est des petites étoles, voilà, je cherchais le mot étole, 1,75, ouais c'est ça, qui est fermé en fait, moi j'appelle ça un snood, je pense que c'est ça, et en fait, hop, hop, hein, tu comprends le truc, Barbie dans le désert, et en fait il est, elle est rose avec, elle ou il, hein, si c'est un snood, avec des petites, tu le verras pas, mais il y a des toutes petites paillettes, voilà, bon, on va rester 10 ans là-dessus non plus, hein. Je te montre le truc à la con à la fin. Serpillière microfibre 1,99 puisque bah, la mienne, je l'ai flinguée tout simplement à force, hein, évidemment. Donc ça, j'en avais besoin. J'ai acheté des trucs dont j'avais besoin. Ça me fait trop bizarre. 99 centimes, pareil, j'ai fini mes... comment? Mes... bah voilà, tu vois, quand je te dis que j'ai mes lingettes, et là, il y en a pas mal quand même. Hein. Ouh là là, je sais pas, mais alors c'est assez épais le truc. Hein. Tu vois le truc? 100? Ah ouais, bah c'est 100 grosses alors. Et ma petite Sweetie, elle a été malade, elle vomissait partout, donc j'ai beaucoup utilisé les lingettes. Parce que des fois, tu sais pas trop avec quoi ramasser, au bout d'un moment, bah non, elle se détache. Donc, je nettoyais le canapé, oui, sur le canapé aussi, j'ai nettoyé le canapé, les lingettes, le sol, sa bobouche, son cucu, bah oui, bah cool. Donc, j'avais besoin de lingettes, bon, c'est tout, c'est tout. J'ai trouvé une petite paire de boucles d'oreilles, je vais vous enlever le petit papier, c'est juste pour le reflet, 50 centimes. Je crois même qu'elles sont encore passées à 50%, elles devaient être dans le bac, donc tu vois, 25 centimes. Oui, tu as raison, je ne mets pas de boucle d'oreille, quasiment pas. Ah si, là j'ai menti, là j'ai une petite paire de Swarovski que m'avait offert, ça c'est ma copine Sophie. Et je les ai trouvées mignonnes, tu vois, elles ont le petit brillant. Alors je sais pas si tu verras, attends, je vais essayer de te faire schlack. Ouais, elles ont le petit brillant et en dessous, il y a une partie à paillettes. Tu vois, tu dois avoir un fond pailleté, gâte. Quand tu vois comme ça, c'est transparent. Et quand tu vois un peu la lumière, ça les paye. Bon. Refocus-toi sur Mi. Voilà. Ah bah, si tu ne refocus pas sur Mi. Comment? Ah, là, voilà. Non, bah, tu sais que... tu l'as. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, ça, c'était... Il y avait tout un arrivage de Haribo. Oui, c'est la marque Haribo. 1,20€, mais pareil, c'était dans le bac à 50%. C'est un dessous de... Vous savez, c'est les dessous de plat. Ils appellent ça plateau. Ouais, d'accord, ok. Et j'ai trouvé ça hyper vintage, hyper mignon. Donc, ça faisait 60 centimes. 1,20 les deux. J'adore ces trucs-là. Chaque fois que je vais chez nous, c'est pour la vaisselle. Ah, ben bah. Et j'ai trouvé ça, mais magnifique. Magnifique. 2,70 pour faire mes salades, pour mettre mes petits fruits, tout ça. J'ai trouvé vraiment joli. Bon, il faut que je le nettoie, bien évidemment. Il n'y en avait plus qu'un. J'étais hyper contente. J'adore... Et la marque, c'est Art Madis. D'accord. Je trouvais vraiment la forme pas commune. Ah oui, un holno serait pas un holno. Sans mug, non, pas cette fois. J'ai trouvé. Alors ça, j'étais trop contente. Baume à lèvres Crayola, s'il te plaît. Ouais, 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 baume à lèvres Crayola.
Voilà, donc t'as, je crois que t'as le parfum fraise, bubblegum, je sais pas quoi. Alors attends, concrètement, baume à lèvres barbe à papa, tiens, hop. Oh, on dirait un tube de colle le truc. D'accord, baume à lèvres. Ah, je vais m'enlever mon rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Ah, c'est trop marrant. On dirait un tube de colle UU. Ok. C'est con, mais ça a l'air bien hydratant. Et j'ai trouvé ça hyper original, hyper mignon. Et moi, les baumes à lèvres, j'en fais une utilisation, un usage intensif. Ah oui, intensif. J'ai pris, tu vas me dire, encore mes carreaux. 8,99 quand même. Hein. J'ai hésité, hein, je te le dis. Alors, c'est un petit sac. Il est trop mignon, déjà, premièrement. Je sais pas du tout, la marque, c'est Mimi Mua. Il y avait tout un tas d'arrivages comme ça dans mon nose. Enfin, c'est le nose de Shawnee, hein, pour celles qui... Parce que des fois, vous me demandez dans quelle nose es-tu allée. Et en fait, à l'intérieur du sac, ça fait pas vraiment sac. Ça fait portefeuille, en fait. Il a l'aspect d'un sac bandoulière. Mais tu vois, regarde. Je vais te montrer, il y a la bandoulière. Et en fait, une fois de plus... Tu vois la bandoulière, donc elle est vachement sympa en plus la bandoulière. J'ai pris ça parce que je me dis en fait, pour faire les brocantes, des fois j'ai des bananes, etc. Mais quand... C'est très étudié, attention. Des fois j'ai une banane, mais j'ai un manteau un peu long, une veste un peu longue, parce que là il fait encore froid. Donc la banane, il faut que j'ouvre ma veste et tout ça. Bon, en salle, tu me diras, j'ouvre ma veste. Parce que là, en ce moment, les brocantes en salle, j'ouvre ma veste. Mais j'ai souvent un manteau long quand même en ce moment. Je garde mon manteau long quand même assez longtemps. Même si j'en ai marre là. Et du coup, la banane, souvent, elle est dans le manteau. Je sais pas, j'arrive pas à me débrouiller avec. L'été, c'est bon, y a pas de soucis. Et je me dis, ça peut être pas mal d'avoir ça au-dessus. Je mets tout de suite mon argent, tac, pour la brocante. Et c'est vachement pratique. Et en plus, c'est vachement beau. Et tu penses, toi aussi, que je suis en train de te trouver une excuse pour avoir acheté ça. Mais non, parce qu'en plus, c'est vraiment pas le genre de sac que je porterais. Je veux dire, ou alors je m'en ferai un portefeuille. Je finirai par m'en faire un portefeuille. C'est capable aussi, parce que moi, j'ai des sacs tellement énormes. Ça peut être mon sac à main. Que ça peut être mon portefeuille. Je l'ai trouvé trop mignon, donc en tout cas. Et alors là, j'ai acheté le truc le plus ridicule de la Terre. Ah ouais, c'est une palette quoi. Une palette gloss Hello Kitty. C'était 99 centimes. Je suis désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Le packaging, il était tellement mignon. Il y en avait un comme ça, argenté. Ça me fait penser au vieux Motorola. Il y en avait un tout rose, mais il faisait vraiment trop plastoc. Enfin, quoi que ça, tu me diras, ça fait pas terrible non plus. Hein. Comment, Hello Kitty? Oh, en plus, c'est des glosses, mais vraiment abusées, quoi. Tu vois, avec le... Je vais en mettre deux fois, il n'y a plus rien à voir dedans, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas du tout pigmenté. Regarde, tu mets... Et on voit déjà le fond. Bon, c'est du gadget, mais j'ai trouvé ça mignon. Ouais, c'est pailleté. Oh, c'est pailleté, c'est mignon. Bon voilà, bah écoutez, en tout cas j'espère que ce petit haul nose vous aura plu. Je suis contente, j'ai trouvé ma chariote là parce que c'était surtout pour ça que j'y allais. Je savais que chez nose ce serait pas cher et ça tombe bien, en plus elle est vraiment, la couleur elle est soft et tout, oui c'est moi qui dis ça. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Et bah moi je vais aller faire quelques barbijoux. Tiens d'ailleurs n'hésitez pas à passer sur ma page. Je suis allée m'acheter du, j'avais plus de fil pour faire les bracelets. J'ai des nouvelles perles, j'ai des nouveaux petits charmes. Donc bah n'hésitez pas. Ciao les filles.